Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce sera Coolo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir réaliser le défi accomplir les quêtes d'échauffement et le défi accomplir les quêtes d'entraînement au combat. Donc pour ceux qui se posaient la question comment réaliser ces quêtes, c'est tout simple, ici vous avez les quêtes Dragon Ball, donc voilà Dragon Ball, ici vous avez le sous-menu échauffement, donc la première section c'est échauffement, ensuite c'est entraînement en combat. Et en fait là, le premier défi vous demande d'accomplir les quêtes d'échauffement. Donc les quêtes d'échauffement, c'est tout simplement toutes les quêtes que je suis en train de survoler avec ma souris. Donc toutes ces quêtes là, ça c'est des quêtes d'échauffement. Donc si vous réalisez 3 quêtes d'échauffement, vous terminerez la première quête qui est accomplir les quêtes de l'échauffement 3. Donc 0 sur 3. Ici, entraînement en combat, c'est la même chose. Vous allez devoir accomplir 3 quêtes d'entraînement en combat pour terminer le défi et débloquer la deuxième boule de cristal. Donc, ça veut dire réaliser les 3 défis, enfin, 3 des 4 défis qui sont juste en dessous de vous. Enfin, de ce défi-là. Donc, participer à un duel, infliger des dégâts. Donc voilà. Il faudra terminer 3 quêtes de cela pour débloquer le deuxième défi qui vous rapportera une boule de cristal. Pareil pour le premier défi, accomplir des quêtes d'échauffement, ça vous débloquera une boule de cristal qui vous permettra de débloquer le planeur Chiron de Dragon Ball Z. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.